Allô, je ne vois pas les commentaires, je ne sais pas si vous m'entendez. Allô, je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez? Je ne lis pas les commentaires. Est-ce que vous m'entendez? Ah, d'accord, ça va. Comme on a été coupé, je vais continuer, <coughs> partager le direct, pardon mes soeurs, mes frères. Et je remercie même quand j'étais à l'hôpital. S'il vous plaît, je sais pas, ok, je, ça part, ça coupe, ça revient. Dites-moi vraiment si vous m'entendez. S'il vous plaît, dites-moi si vous m'entendez. OK, merci. Oui. OK. Je vais continuer. Donc quand j'étais dans la douche, je vous dis quand je mettais même l'eau sur moi, mmh. c'est comme si mes pores étaient bouchés. Je, comme si l'eau ne pénétrait pas sur moi, j'étouffais, j'étouffais. La semaine là, j'ai appelé encore mon médecin traitant. Il me dit, madame, restez chez vous. Et pendant que j'étais malade, quand la maladie a commencé, vous savez qu'on ne peut pas tout publier. J'ai contacté ici à Liège. Au premier, la première semaine, j'ai contacté trois personnes. Quatre, quatre personnes. Sur quoi la marraine de ma fille et la fille qui garde mon enfant maintenant? J'ai contacté une sœur bamoise. J'ai contacté un tonton à moi, à nous ici à Liège, pour lui dire que ça n'allait pas. Voilà les quatre personnes au départ qui connaissaient que j'étais malade. Toutes les onze jours que j'ai passé malade ici à la maison. Mais j'étais forte parce que j'avais les prières et j'avais tout ce qu'on disait, je recevais sur Facebook. Qu'il faut faire ceci, il faut manger là, il faut boire le ginger, il faut faire ceci. J'ai ça là-bas, je faisais pendant tout ce temps. <coughs> la semaine qui suivait, dans la, le 8e, 10e, 11e jour, j'ai commencé à sentir, une, franchement, j'étais ici avec ma fille. Je priais Dieu que Seigneur. Mon enfance n'a pas été facile. J'ai perdu ma mère à un an. Voir au moins, mon père est décédé quand j'avais 11, 11 ans, 12, presque 12 ans. Je viens avoir un enfant à 48 ans. Et un an après, tu veux me prendre avec la maladie du coronavirus qui est dehors. Seigneur Dieu, je m'accroche sur toi. Je m'accroche sur toi. Mon enfant va rester orphelin, qui va garder mon enfant. Dans une ville, dans un pays où personne, je suis loin de mien. Voilà la prière que je faisais tous les jours. Voilà la prière que j'adressais à Dieu tous les matins, toutes les minutes. Ma fille était sur le canapé là-bas, moi j'étais sur mon canapé ici. Plus que je ne pouvais plus lui faire les câlins comme avant. C'est comme ça que les gens qui m'appelaient ici matin matin soir, c'est les quatre personnes que je vous ai dit là. <coughs> La semaine du, du, 22, du 22, 23, je crois que c'était un lundi le 23, si je ne me rappelle pas, pardon, souvenez-vous bien. J'étais ici à la maison vraiment étouffée, étouffée. Je n'arrivais plus complètement à respirer. Je faisais les tours ici, même marcher, mais dépasser, j'étouffais. J'ai envoyé un message parce que tout ça, je correspondais déjà par message avec toutes mes quatre personnes que je les avais contactées. C'est grave. Et j'étais toujours à côté. Dieu me donnait la force de faire un message. J'ai envoyé la, le message à ma belle sœur là. Je lui ai dit que ma belle sœur, je suis mourante. Demande à l'ambulance euh, s'ils peuvent venir me chercher. J'ai envoyé un message à la marraine de mon enfant. J'ai dit à ma mère, ça ne va pas, si je meurs, il faut garder ma fille. Elle m'a appelé quand elle a reçu le message. Quand elle m'a appelé, j'étais étouffée, je n'arrivais pas à parler. Je toussais seulement, je toussais, je toussais, je toussais. Elle a raccroché, elle m'a envoyé un message. Qu'est-ce Qu que tu me dis comme ça? Je lui ai dit que maman, ça ne va pas. Entre-temps, elle était allée m'acheter le, le la vera la que j'ai dépêché la dame qui garde mon enfant aujourd'hui. Elle est allée chez elle à Liège chercher la Lose vera. là. Elle est venue découper ici. Voilà la vera là dans la mamite sur la table que je buvais tous les matins, tous les midis, tous les soirs. Le 22 là quand la, le 22, le 21 quand la maladie s'est aggravée ici. C'est ma belle-sœur ici qui a appelé l'ambulance. 30 minutes après ce jour, il était 20 heures, l'ambulance était déjà ici à la maison. Pendant que l'ambulance m'avait appelé, qu'ils sont en train d'arriver chez moi, j'ai appelé la dame qui garde mon enfant pour lui dire de venir garder, prendre ma fille ici. La fille est venue et elle est arrivée au même moment que l'ambulance. Mes frères, je suis par ambulance m'a porté et je suis parti à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, j'étais encore consciente, j'étais consciente. On ne nous a pas mis dans la salle, dans l'hôpital. Ils ont fait les, les huttes, les trucs, de, de, vous voyez à la télé, comment partout ici en Europe, ils ont fait les huttes, les trucs comme ça, les, les bâches. C'est là-bas qu'on accueille d'abord tous les malades du, qui qui arrivent. Quand je suis entré dans la, dans la quand l'ambulance m'a amené dans la dans la dans la la, la là, ce que j'ai vu là-bas, ce que j'ai vu là-bas. Je ne le souhaite pas à quelqu'un. Ce que j'ai vu là-bas, j'étais là, j'appelais mon Dieu. Ce que j'ai vu là-bas dans la salle là, les gens arrivaient. Ils perdaient la vue. La, ils, 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 eux, mes frères. <coughs> Quand j'arrive à l'ambassade à, à la haute urgence, j'étais consciente. Je vous répète, je vous pardonne-moi. J'étais consciente. Mais les gens qui étaient là où j'étais, c'était les morts vivants. J'ai vu les gens partir devant mes yeux. <coughs> <coughs> je suis aujourd'hui debout, je rends grâce à Dieu. <coughs> donne-moi la force mon dieu je vais expliquer à mes gens à mes frères aux gens là où tu es là où je sors je sors de loin mon dieu je veux parler laissez moi je parler <coughs> 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 Hein? Je suis arrivé à l'hôpital, mes frères, je vous ai dit que j'ai vu, j'ai vu les gens, les hommes de Dieu, mourir devant moi. <coughs> quand j'arrive là-bas, là où on m'a amené, j'ai fait, il était 21h, quand l'homme vient me prendre. Je suis resté là-bas de 21h dehors sur les masses, les tentes là. De 21h à 3h45 du matin. Comme apporté pour me mettre, pour m'amener dans le grand bâtiment. Là où il y a les malades. Là où il y a les malades. Quand j'arrive dans le grand bâtiment, il y a dans la salle où j'étais au départ. Nous étions peut-être six. Seigneur, le secret professionnel. Je ne suis pas médecin, mais j'ai vu les gens. J'ai vu les gens partir. J'étais là, j'étais consciente et j'avais la prière dans mon cœur. Je me retournais, je voyais ma fille qui a 13 mois. Je vois mon enfance que ma mère m'a accouché, elle est décédée, je ne l'ai pas vue. Je me retournais, je, je mettais mes mains au cercle, Seigneur. Même si j'ai péché, même si j'ai tué qui? Pardonne-moi. Ramène-moi pour ma fille. Ramène-moi pour me faire le témoignage. Ramène-moi pour que je témoigne au monde entier. Pour ce que tu as déjà fait pour moi. Tu m'as donné un enfant à 48 ans. Un an après, la maladie vient me frapper. Cette maladie ne doit pas m'amener. Je parlais à Dieu comme je vous parle là, dans mon lit, devant les malades qui étaient là. Je ne parlais pas à vous de vive voix parce que je n'avais pas le souffle. Je parlais à Dieu dans mon cœur. Je parlais à Dieu, je priais, je pleurais. La nuit est passée. Le lendemain m'a dit. Ils m'ont enlevé. Puisque nous, quand tu es dans la salle là et que ton état est bien, on ne te met pas dans les, les appareils là. On te pompe seulement. J'ai mon corps ici. Percé partout. Si vous regardez avec les, les injections. J'avais les antibiotiques qu'on me mettait dans le, dans les veines. Donc, quand tu arrives là, quand tu n'es pas dans un état très critique secondaire comme les autres, qu'on met les appareils là partout, on vous met les injections, les, 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 les injections. Matin, j'avais une injection qui durait 20 minutes. Midi, j'avais une injection qui durait 20, même chose. À 20h, j'avais une injection. Et matin, j'avais quatre comprimés. Je, quatre comprimés différents qu'on me donnait. Quatre matins, quatre midi. Quatre à 20h, heures, 18h heures quand je mange. On m'a enlevé dans de la chambre là. On m'a mis dans ma chambre incarcérée là où j'étais seul. Mais j'étais très bien suivi. J'étais très bien suivi. Je rends grâce à Dieu. Alors, dans l'hôpital, je vais rentrer au but du, au, au but du sujet. Mes frères. <coughs> 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 Mardi, mercredi, j'ai appelé. Mes deux autres petits frères ici à Liège, deux petites soeurs, deux petits frères. Qui sont les Bamileke d'ailleurs Parce que je vais revenir au but du sujet. Toute ma famille ici, même au Cameroun, là où j'ai grandi, pour ceux qui me connaissent, à rue Mangue, j'ai été hébergée pendant plus de 13 ans, jusqu'avant que je ne vienne ici en Europe, par une maman Bamileke au Carrefour Sorcier, maman Micheline. Tout le monde sait que je suis Bamileke, là-bas à Yaoundé. Et ici, en Belgique, je suis arrivé, je vis au milieu des Bamileke. On se chamaille comme les deux enfants, on s'engueule comme partout ailleurs, vous connaissez. Comme, de, de, comme des frères et des sœurs. Mardi, alors, j'ai appelé, appelé deux autres petites sœurs. De, deux filles, deux soeurs Bamileke et une autre petite sœur qui vit au Luxembourg. Pour leur dire, mes soeurs, je les ai envoyées le message, je ne les ai pas appelées. Je leur ai dit que mes petites soeurs priaient pour moi, je suis à l'hôpital. Je suis à l'hôpital, on m'a détecté du coronavirus. Priez pour moi, ça ne va pas. Mais je crois que. Depuis le 8 mars que le problème, la maladie a commencé sur moi, je pense que si je suis jusqu'à aujourd'hui le 22 mars, vivante, Dieu m'aime beaucoup, mais priez pour moi. Je vous jure que là où j'étais internée, il y a, si c'est beaucoup, ces huit personnes qui étaient vraiment au courant, jusqu'à dimanche à lundi. À l'hôpital. Le réseau vient par moment, le réseau pas. Ce qui fait que je communiquais beaucoup plus sur WhatsApp avec mes gens que j'avais contactés. Je pouvais envoyer un message sur Messenger. Vendredi, écoutez-moi bien. Je viens sur l'autre deuxième but du sujet pour parler aux Camerounais. Je suis à l'hôpital vendredi, je prends mon téléphone que je parlais avec vous là. Je, je connecte. Mon Facebook est du coup connecté dans nos téléphones. Je ne vous parle pas, vous connaissez. Dès que je, tu allumes ton Facebook, ton Facebook se connecte directement. Vendredi, quand il veut me connecter sur Facebook, on me dit vous n'aviez pas le droit de vous connecter dans ce compte. Mettez votre mot de passe et mettez votre numéro de téléphone. J'ai essayé deux, trois, quatre fois. Je vous parle de vendredi passé. C'est comme ça que j'essaye deux fois. Trois fois. Ah, j'ai dit Aka. Qu'est-ce que je fais même sur Facebook, même encore? Si je peux donner les nouvelles à mes gens sur WhatsApp, j'ai pris mon téléphone, j'ai laissé de côté. C'était vendredi passé. Vendredi passé. Nous sommes aujourd'hui quand? Mercredi. C'était vendredi passé. Alors, je n'ai pas insisté. La journée est finie. <coughs> Vers 16h. Je sais encore de me connecter sur Facebook. On me dit que vous n'aviez pas droit sur ce compte. Je, tranquille. je, je reste tranquille. Je continue quand même à insister. Après, vers, je crois qu'il était 18h, vous repartez sur mon mur, vous allez voir, j'avais écrit la riposte. Normalement, j'ai voulu faire un message pour, pour communiquer que mon compte a voulu, a voulu être piraté. Mais j'ai écrit la riposte. J'ai lancé, la, c'est parti parce que je ne voyais même pas bien. Et à l'hôpital, comme j'avais oublié mes lunettes ici, ici à la maison, c'est avec ça que je lis, je ne peux pas bien voir. Le jour est passé, le vendredi est passé. Vendredi vers 18h, je reçois, j'ai reçu un message avec un profil. Mon profil qui dit, qui écrivait le message sur mon profil à moi. J'ai vu la personne m'envoyer le message pour dire vous les que tous les Bamilekés, que tous les médecins qui sont au Cameroun doivent laisser tous les Bamilekés qui iront à l'hôpital pour mourir, mourir avec le coronavirus. Je vous jure, j'avais lu le message quand c'est arrivé sur WhatsApp, euh, sur WhatsApp, mais je n'ai pas vu Tenu compte que c'est mon propre compte qui a écrit ce message. Je n'avais pas lu. J'ai dit, mais, j'ai dit dans mon cœur que, mais, c'est la personne qui a écrit ce message-là. Est-ce qu'il sait ce que ça fait? Ouais, Dieu. Pourquoi les gens ne sont pas conscients? J'ai laissé, je, 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 je n'ai pas tenu compte. Franchement, je ne peux pas vous dire. Je n'ai pas tenu compte de ce message, de ce poste que j'ai reçu. Nous étions vendredi. Samedi matin, quand on vient me réveiller, à 8h30 pour me donner mon déjeuner et mes comprimés. Je mange, mes, 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 je bois là-bas et prends mes comprimés sur la chaise. Je reçois un message sur Facebook avec mes photos. Et les photos de, mes, de, 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 de ma fille, les photos de mon, des parents de mon enfant qui est Bamileke. Les photos de ma, la marine qui est Mes photos, le, la personne a publié que moi, il faut que les gens m'insultent parce que j'ai tué son oncle en 2007 au Cameroun. <laughs> Quand j'ai lu la photo, quand j'ai vu ça, j'ai ouvert mes yeux et me dis, mais qu'est-ce que je vois comme ça? Mes soeurs, subitement, sur WhatsApp, à l'heure où je mangeais, si je n'avais pas encore pris mes comprimés, le, le samedi matin là, je n'allais pas boire mes comprimés. Parce que, j'ai commencé à voir les messages, mes amis, sur Facebook, les inconnus qui m'ont envoyé, les autres qui m'écrivaient sur Messenger pour me dire Coco, est-ce que c'est toi qui peux écrire ça Est-ce que c'est vraiment toi qui peux écrire ces messages ou quelqu'un a piraté le compte Mes frères et sœurs, je ne pouvais pas vous répondre tous. Il y en a là-bas que j'ai eu à répondre que je ne connais pas. Parce que j'ai reçu beaucoup de messages. J'ai reçu, oh Seigneur, j'ai reçu plus de mille messages. Mille messages. Ceux qui demandaient si c'est moi. Ceux qui demandaient si mon compte a été piraté. Mais pour ceux que je voyais qui sont mes amis sur le Facebook, je leur disais, mes soeurs, je ne connais pas. Je ne connais pas Je ne connais pas Je me demande si les gens la pouvaient imaginer dans quel état j'étais Excusez-moi Excusez-moi Excusez-moi, mes frères. C'est plus fort que moi, je n'ai peux plus. Euh, Est-ce que les gens-là, la, la personne pouvait imaginer dans quel état j'étais, Seigneur? J'étais entre la vie et la mort. J'ai vu les gens mourir devant moi. Euh, euh. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. La personne a fait une blague au mauvais moment. Je vous jure. Je vous jure. Je vous jure. Je reconnais que depuis 2008, délit dans Facebook, dans les insultes, dirige l'autre insulte, les, le, le parti là, nous on insulte le parti là, je reconnais que certains, dans certains trucs, dans certains vidéos où j'ai assisté, qu'on insulte, qu'on insulte, qu'on insulte, je reconnais j'ai eu à dire quand tu ne seras jamais président comme aussi les, les tontinans, nos petit délire pour moi c'est un délit, un passage sur facebook mais je n'ai jamais jamais au grand jamais je n'ai demandé quand tu es un que je n'ai jamais demandé quand tu es un frère et à quel moment la personne vient choisir de, me, de faire ce message sur mon compte au moment où je n'étais pas bien. Au moment où j'étais, je ne sais pas si la personne s'est rendue compte que j'étais mourante. Et la personne s'est dit que j'allais mourir. Mes frères, mes soeurs, et tous les Camerounais, arrêtez de m'appeler, pardon. Arrêtez de m'appeler, mes soeurs. Mes soeurs. Arrêtez de m'appeler. J'ai envie de faire un témoignage. Pour dire à mes frères, à tous ces gens qui me suivent là, que je n'ai jamais été été. Et ma soeur, pardon, arrête de me suivre. Pardon, arrête de m'appeler. Je sais que Alors... Je suis en train de dire une chose, que je, pour le message qui a été publié avec mon nom, je n'ai jamais été détenteur de ce poste. <coughs> qui a choisi à pirater mon compte au mauvais moment pour poster ce message. Et je reviens un peu, surtout mes soeurs, mes frères, Ici en Belgique, qui me connaissent dans la vraie vie. Qui mange avec moi ici à Liège. Valérie de Liège. Valérie de Liège. Quand je suis arrivée ici en 2010, j'ai été toujours dans tes soirées. J'ai été invitée d'honneur dans tes soirées. Quand tu organisais tes soirées tu m'appelais grande soeur j'étais bien ici tu m'envoyais tu venais me donner les biens chez moi là-bas chez mon mari tu me donnais deux trois quatre biens je venais à ta, à ta soirée je m'amusais bien, bien que j'ai tourné le dos que je ne vais plus dans les soirées parce que j'ai consacré ma vie à autre chose Valérie mon frère, qu'est-ce que je t'ai fait Qu'est-ce que je t'ai fait Je ne sais pas que je t'ai fait quelque chose. Si je t'ai fait quelque chose, Valérie. Pardonne-moi. Pardonne-moi Valérie. Parce que je vois ce que tu as écrit sur ton mur sur moi. Que je, que je te pardonne. Je reviens sur un certain euh, elle, Clovis je vais citer certains Clovis je suis venu dans ton café avec ma peau que tu as cité sur te, tes messages je suis venu une fois je suis quitté liège je suis venu dans ton café avec elle, deux, avec Blanche, deux fois. La troisième fois, j'ai démarré ma voiture. Je suis venu dans ton café, je crois que c'était un Amur à l'époque. Coco, a jouait jouer ce jour. J'étais avec un ami. On a bien on a mangé. Je suis rentré chez moi, je m'adresse à Clovis qui a fait les, 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 les messages chez Valérie et partout dans les postes que je vois. Clovis, on n'a jamais été les amis, mais je suis venu boire deux, trois fois dans, te, dans ton café à mes petites soeurs. En 2008, toi et moi, on s'est re retrouvés dans un direct où on s'était insulté, toi et moi. Où tu avais, tu avais fait un commentaire sur notre pays. Je suis venu sur ton commentaire pour te dire que vous n'aviez pas honte que vous quittez le Cameroun. Vous venez salir notre pays à, Chez les, à, là ici. Clovis, tu n'as pas honte. Clovis, toi et moi, on s'est insulté sur ton commentaire. Tu m'as insulté que je supporte Paul Biya qui est dictateur. Tu m'as traité de tout. Nous étions au mois de novembre 2018. Clovis, tu as dit que j'allais mourir en décembre, que tu es Bamileke. Tu vas me tuer. Tu vas me vendre aux femmes-là dans un mois en décembre. C'est le temps que vous faites les sacrifices chez vous, les Bamileke. Clovis, devant Dieu, je ne mens pas. Ce que je dis là, tu sais que c'est vrai. Si je pouvais repartir sur la vidéo de la personne qui faisait, j'allais revenir sur tout ce que toi et moi, tu avais fait un commentaire et je suis venu dire que tu n'as pas honte de saboter le pays qui t'a accouché. On s'est insulté. Clovis, moi, je suis quitté là-dessus. Je ne me suis même plus attardé sur ça. Clovis, mon frère, qu'est-ce que je t'ai fait? Pour la politique que vous mélangez tout ce qu'on peut se dire là-bas dans nos insultes, dans nos délires, vous me crucifiez pour un truc que vous n'aviez pas à chercher, à savoir si si c'est moi qui ai été auteur de ces postes. Clovis, je te demande pardon. Je vais aller sur un ami, il est toujours Bamileke. Parce que je jure, je mange ici Bamileke, je dors Bamileke, on s'insulte Bamileke, on fait tout Bamileke. Ici, je rappelle que les deux parents, et parents sont Bamileke de ma fille, de ma princesse. Il s'appelle Marcel Ntani. Marcel Ntani Stéphane. C'était un ami ici à Liège. Quand je suis arrivé en 2010. Quand Marcel allait à la batte, <coughs> Marcel m'appelait Coco Tu ou viens prendre une. Viens on prend une, on s'assoit avec Marcel, Ntangani, Marcel, à la batte, on prend une bière. Quand je fais un barbecue chez moi, Marcel, tu es où? Viens. Marcel, Ntangani, Stéphane, tu venais chez moi, chez mon mari, là-bas. Je fais le barbecue, en mange, bois. Marcel, Ntangani, quand j'étais au Cameroun, quand j'étais au Cameroun. Parce que je, il n'y a que les trois ans si avec ma princesse que je ne suis pas partie au Cameroun. Toutes les années, je ne pas voir mon pays parce que c'est là-bas qu'il y a ma vie. C'est là-bas que j'ai tout. Marcel, dernier, quand j'étais au Cameroun, quand je me retrouvais que je n'ai pas d'argent, tu es le seul Camerounais ici à Liège. Toi, Marcel, que j'appelais pour te dire que... Je suis coincée. Marcel, tu m'envoyais l'argent. 200 euros. 300 euros. Je peux partir là. Je prends ça, je montre aux gens. Marcel, t'en as ah. Excusez-moi, mais soeur. C'est plus fort que moi. Je suis sortie de l'hôpital hier, on m'a déposé ici comme un bagage. Il fallait me voir sortir, emballé partout jusqu'à la tête quand la morgue, l'ambulance m'a laissé ici. Je suis enfermé ici seul sans voir ma, ma fille. Excusez-moi si je pleure. Je pleure, ça me soulage. Parce que c'est plus fort que moi. Je reviens sur toi, Marcel. Sur toi, Marcel. Pardon, je sais que tu es sur ce direct. Tu étais le seul camerounais qui m'envoyait l'argent au Cameroun. Marcel, en 2008, <coughs> quand je publiais les choses des élections sur mon Facebook, quand il y avait les élections au pays, j'ai publié les choses du RDPC. Toi, Marcel, tu m'as écrit, inbox, tu m'as dit, Coco, je vois que tu publies les choses du RDPC. Donc tu... Tu, tu, supportes le dictateur, l'assassin Paul Biya? C'est sur mon Facebook, Marcel Tangani. Marcel Stéphane Tangani, ici à Liège. Allez sur les commentaires de Valérie. Vous allez voir son, son nom. C'était un ami. C'était un frère. En 2008, là, il m'écrit, il me dit Coco. Tu, je vois, tu publies les choses d'un dictateur Paul Biya, d'un assassin qui tue les gens au Cameroun sur ton mur. Donc, tu le supportes. Je ai répondu à Marcel Tangani en disant Mon ami, eh, je supporte la paix. Je supporte le président. Parce que cet homme est entré quand j'avais 12 ans. Au pouvoir. C'est lui que j'ai je, je connu jusqu'aujourd'hui où j'ai 46 ans, 48 ans. Et je, donc, je supporte. Je ne sais pas qui est dictateur. Mais moi-même, je veux le changement au Cameroun. Il m'a dit ceci. Ok, j'ai compris. Je croyais que tu étais une amie à moi. Mais. Je croyais que tu étais une amie à moi. Mais quand tu publies les choses du, du dictateur assassin Paul Biya, je vais, je, je, tu ne seras plus mon ami. Mes frères et sœurs, je n'ai pas, je n'ai pas tenu compte. J'ai dit, ok, mon ami, si toi tu supportes ton pro, ton, 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 euh, ton frère, ton n'importe quel opposant, je ne peux pas t'en vouloir. On s'est coupé là. Je n'ai pas su qui m'a bloqué. Comme moi, je suis toujours que je parle mes choses, après je passe. Stéphane Marcel Tani. <coughs> je n'ai pas su qui m'a bloqué. <coughs> <coughs> hein? <coughs> Dernièrement, je me suis, quand j'étais enceinte, j'ai tapé le nom de ma Sainte Annie pour lui annoncer que je suis enceinte sur Facebook. Je lui tape. Je vois que je n'avais plus accès à son nom. Je cherche son numéro sur WhatsApp. Je veux l'appeler pour lui dire que mon ami, je suis enceinte. Son WhatsApp ne passait pas. Pourtant, j'avais son numéro fait... Je suis restée tranquille. Après, j'ai réfléchi. J'ai une sœur ici, une petite sœur que tout le monde connaît ici, à Liège. Elle s'appelle Sandra de Bruxelles. excuse-moi de prononcer ton nom. C'est toi que j'ai contacté pour te dire que, ouais, la politique est venue me gâter avec mon ami Ntangani Massan. Je, je vois ici qui m'a bloqué sur Facebook. Est-ce que tu es toujours son ami? Parce que je sais que tu es son ami. Je cherche son nom sur Facebook, je vais l'appeler sur son numéro, ça ne passe pas. J'ai dit à Sandra que je voulais l'annoncer que je suis enceinte, que je vais accoucher. Sandra m'a dit que ma soeur, Ntangani est là, il va bien. Même sa femme aussi a accouché. Mais je vais voir si je peux faire quelque chose. Je sais que Ntangani, ma soeur me parlait bien de toi. Je vais voir. C'est comme ça que je n'ai plus parlé à Marcel pour demander que tu en es où avec Marcel, mon ami. Donc pour conclure que, à cause de la politique des choses, que chacun supporte son, son parti, son président, l'autre supporte son président. J'ai perdu. J'ai perdu, perdu mon ami Marcel Ntangani, qui aujourd'hui ne se rappelle pas de tout ce qu'on a traversé. Il peut me saboter sur les murs des gens, il m'insulte. Il prend mes commentaires que j'ai fait depuis trois mois, six mois dans certains directs. Il publie. Marcel, quand tu as eu les problèmes ici avec Appy, avec notre frère Appy. Pita, où c'est Peter, Peter Appi? Marcel, euh, tu avais créé les faux profils. Tu avais créé les faux profils, les gens de Liège dont je parle aujourd'hui. Je n'avais jamais parlé, ça vous connaissez. Les gens de Liège qui connaissent l'histoire là. Marcel Tangani, tu avais créé trois profils pour insulter, afficher les photos de de Peter Happy. Parce qu'il avait pris ou ta femme ou je ne sais pas. Tu te rappelles, les gens de Liège sont témoins là. Ils peuvent, ils peuvent témoigner que ce que je dis est vrai. Le profil qui insultait Pita ici, c'était Marcel, mon ami Stéphane Tangani. Stéphane Marcel, qu'est-ce que je t'ai fait, mon frère? À cause que nous n'avons pas nos opinions. Je vois tes commentaires partout où tu m'insultes. Marcel, devant Dieu, devant les hommes. Même si je t'ai fait quoi? Je te demande pardon. Pardonne-moi. Et je demande à Dieu de te pardonner. J'ai dit que je vais citer certaines personnes qui me font mal au cœur. Plus mal parce que je les connais dans la vraie vie. Je viens sur un petit frère ici à Liège. On appelle Emma, Emma et Kango, Manu Sako. <coughs> Je parle avant que vous allez me tuer. <coughs> Manu et Kango, Emma, Emma et Kango, tu es un petit si à moi. Quand on était invité quelque part, j'ai été invité, toi et moi, à l'anniversaire de l'enfant d'une petite soeur ici, Bertin Gonga. Ma soeur, petite, excuse-moi, je vais prononcer ton nom. Parce que tu es celle qui connaît. Quand je suis entrée à l'hôpital mardi, j'étais appelée, était écrit mardi. Pour te dire que je suis entre la vie et la mort. Berthing Gonga, pardon, ma soeur, excuse-moi si je prononce ton nom. Je suis au dossier de... De Emma et Kango. Emma et Kango. Dieu, donne-moi la force. Je te dis merci Seigneur parce que tu m'aimes. Je, je vais rendre témoignage. Je n'ai pas un mauvais cœur. Je peux parler, mais je ne connais pas faire du mal. C'est pour cela que Dieu me, me ramène à la vie. C'est pour ça que je vais m'adresser aux gens qui me connaissent beaucoup. Emma et Kango, je t'ai invité. Je, avec l'anniversaire la, de Bertie. Tu as démarré ma voiture d'ici. Liège, on est parti à l'anniversaire de l'enfant de Bertie. <coughs> Emma et Kango, quand tu avais à boire, tu me trouves à Liège. Coco, vient prendre une bière. J'ai un bien à boire. Emma et Kango, tu m'appelles, viens, je t'appelle, on se retrouve, tout liège là-bas connaît. Quand il y avait manifestation à, à Namur, toi, Emma, tu démarrais ma voiture, tu conduis à l'aller, je conduis au retour. Emma, quand j'étais enceinte, tu m'as envoyé le message sur Facebook, sur Messenger. Tu m'as dit, Coco, tu n'as pas... Honte, tu supportes le dictateur Paul Bia. Et vraiment. Il tue les gens sur le, au nozo, Il tue les gens. Et le Cameroun souffre. Je vois, tu supportes Paul Bia et tu publies les choses. Et moi, tu m'avais envoyé le message sur Messenger. J'étais encore enceinte. Il me restait peut-être deux mois pour accoucher. Je t'ai répondu sur Messenger que Emma, tu n'as pas honte que je suis sûre que tu as appris que je suis enceinte. Tu ne m'appelles pas pour me féliciter que mes félicitations, petite, ma grande sœur, j'ai appris que tu es enceinte. Mes félicitations. Mais tu viens m'envoyer un message pour les conneries de. Que je supporte le dictateur Paul Biya. Emma et Kango, pardon, laisse-moi. Mais je profite de cette occasion pour te dire que si tu as appris que je suis enceinte, effectivement, je suis enceinte. Je vais accoucher dans peut-être deux mois. Emma et Kango, si je mens, viens m'aider. Viens démentir ça. Fais enfin, une directe, tu démentes. Emma, qu'est-ce que je t'ai fait, mon petit frère? On t'insulte. Toi et moi, on s'est insulté à Liège ici jusqu'à cinq mois après. Deux mois après, on se retrouve. On boit nos biens, on passe dessus. Qu'est-ce que je t'ai fait? Parce que je vois tes commentaires sur les murs des gens me concernant. Qu'est-ce que je t'ai fait, mon frère? Tu n'as même pas cherché à voir. Si c'est moi qui ai détenteur du message. Mais vous m'avez vous jugé pour les propos <coughs> que vous imaginez vous-même. Emma et Kango. Même si j'étais fait quoi Je te demande pardon. Prie pour moi. Et s'il m'arrive quoi que ce soit, quand vous avez dit que vous allez me tuer, Emma et Kango, il faut donner le pain à ma fille. Il faudrait donner le, à manger à ma fille parce que je ne te connais pas. Laissez-moi, mes soeurs. Je suis fatiguée. Il, a fatigué. il faut que je parle, même si je vais mourir. Tu des difficultés à parler, mais il faut que je m'exprime. Ce n'était pas le moment. Je suis sortie hier, mais je n'ai pas bien dormi aujourd'hui avec tout ce que j'ai vu. <coughs> <coughs> Je finis avec le cas de Niat. Niat. <coughs> Je finis avec le cas de Niat. Pour dire ceci. Nyad Barano, j'ai été ton ami de 2003 en 2008. Si je mens, viens témoigner ici. Si je ne me trompe pas, 2007-2008, de 2003, toi et moi, on se parlait sur Messenger. On s'appelait sur Messenger. On se parlait, c'est un truc, Nyat, écoutez, pardon, bipe moi qui vient d'écouter, si je manque, qu'il fasse une vidéo pour démentir. On se parlait, <coughs> le temps que Nyat insultait le président Amot, le temps que j'ai eu les problèmes avec ma petite sœur, je ne peux pas dire leur soeur, c'est aussi ma sœur, Flore de Lille, en 2015. Niac, toi et moi, on s'appelait sur Messenger. On causait. A... deux, trois fois, je suis venu à Bruxelles. Je t'ai appelé que tu pars à Paris. Je vais le convoiture dans ta voiture. Tu m'as porté deux, trois fois pour me déposer à Paris. On causait 25 euros. Niac, ton enfant qui a 4 ans. 5 ans aujourd'hui, je ne, je ne, comme depuis on n'est plus en foi, je ne sais pas si entre-temps ta, ta femme a déjà accouché. Quand tu as fêté l'anniversaire de ton enfant, tu m'as envoyé l'invitation ici. Je devais venir à l'anniversaire de ton enfant. Mais j'ai été empêché. Tu m'avais envoyé l'invitation. J'étais encore avec mon mari là-bas. Tu m'as envoyé l'invitation. Tu m'as dit, il faut venir à mon anniversaire, à l'anniversaire de mon enfant. Niad, je ne suis pas venu, mais je t'ai expliqué sur Messenger pourquoi je ne suis pas venu à l'anniversaire. Niad, qu'est-ce que j'ai fait? C'est depuis 2008 que tu, tu, as, tu as commencé à m'insulter. Tu as, et moi, je te regarde partout, tu m'insultes. Je n'ai, jamais parlé. Mais aujourd'hui, je te demande devant les gens. Que je te demande quoi, mon frère? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as tes op ton opinion politique. Moi, j'ai le mien. L'autre a le sien. Ainsi de suite. Nya. Tout le monde entier a vu comment tu as poussé tes enfants qui sont aussi mes enfants à faire une vidéo pour insulter notre président qui est notre président actuel de tous les camerounais acceptons comme ça parce qu'il est notre président de tous les camerounais celui qui va venir demain sera notre président pour tous les camerounais niad tu viens tu me publies sur ton mur. Tu m'insultes. Tu fais signer un compét une compétition pour moi. Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que j'ai t'ai fait? Hein? Alors, je dis. Niat, même si je t'ai fait quoi, tu dois me pardonner. Tu dois me pardonner. Et devant Dieu ici, je te pardonne. 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 Et pour toutes celles qui ont fait les commentaires sur le mur de mes petites sœurs que je connais, qui ont fait les commentaires sur le mur de Valérie de Liège, je vous pardonne. Et je tire. Je vais dire ici. Quand je suis à Liège, je me débrouille moi-même. Quand je commencé à faire la brocante, J'ai commençais à faire la brocante en 2011. Je partais au Cameroun avec ma marchandise. Je louais un appartement là-bas à Elise dans mon quartier derrière Elise Bar. Les gens qui connaissent peuvent témoigner. Je louais un studio de deux chambres, chambre, salon cuisine douce dans la barrière. Je logeais ma famille là-bas. Quand je venais au Cameroun pour trois mois, parce que je viens toujours au pays pour deux, trois mois, j'envoyais la marchandise au Cameroun. Quand j'arrive chez moi, je vendais dans la barrière. Je vendais ma marchandise dans la barrière. Le peu que je peux vendre, je reviens. Je vends. Le reste, mais, mais, ma famille reste vendre. <laughs> Clovis, tu as souligné que c'est ma soeur Roseline Mawak et ma peau, qui m'ont appris à faire la brocante, qui m'ont amené pour au milieu des Bamileke, à Liège, pour venir les exploiter. Je réintègre ici que ma poney m'a jamais amené faire la brocante. C'est une petite soeur qui est toujours respectée ici pour son bravoure, pour son courage, pour sa, sa dynamique, ça dit ça, ça, tout. Mais elle ne m'a pas amené à la brocade. D'ailleurs, d'ailleurs, acceptons parce que je vais accepter. Même si c'est elle qui m'a amené à la brocade, c'est derrière quelqu'un qu'on devient quelqu'un. C'est derrière quelqu'un qu'on devient quelqu'un. Est-ce m'a que m'amenant à la brocade, elle a mal fait de me montrer aussi le chemin? Pour me débrouiller. Clovis, c'est à toi que je repos. J'ai toutes vos captures. J'ai accès sur le mur de Valérie. Donc, <laughs> depuis que je suis rentré hier, j'ai eu le temps d'essayer de me connecter pour lire vos messages. Je vous demande, ici à Liège, qu'est-ce que je vous ai fait? Qu'est-ce que je vous ai fait? Je suis. Je suis une personne dure de caractère. Dure de caractère. Oui, vous le saviez. Je suis une personne vraie qui ne vit pas dans l'hypocrisie. Je suis une personne que, que je ne veux pas voir qu'on crucifie quelqu'un devant moi. Même si c'est comment. Je vais défendre. Vous qui êtes à liège ici, si vous connaissez. Vous le savez. Qu'est-ce que j'ai fait à tous ces gens qui sont à liège avec moi? De monter tout ce qu'ils montaient là. Aujourd'hui, je suis sûr à 500%, vu ce que les gens de Liège écrivent sur moi et les gens que j'ai eu à manger avec eux, j'ai eu à boire avec eux. Je suis convaincu que c'est l'un d'eux qui a piraté mon compte vendredi et samedi pour publier ce qu'ils ont publié. Peut-être celui-là a compris que mes soeurs, laissez-moi, je vais parler, je vais bientôt chuter parce que je suis déjà fatiguée. Ma soeur Sylvie Nanga Eboko, je suis fatiguée, mais laissez-moi, je vais chuter. Comprenez que quand je parle, ça me fait du bien de vouloir m'exprimer parce qu'il y a les gens, vous ne pouvez pas savoir les messages que j'ai suivis. Vous ne pouvez pas savoir les messages que j'ai suivis ici. Excusez-moi. Vous de Liège, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Et je vais... Dire ici un grand merci à un petit frère. Euh, S'il vous plaît, laissez-moi ne m'appeler pas, je vous en prie. Vous êtes sur le direct. Nadège, je t'ai envoyé le message mardi, mercredi que j'étais à l'hôpital. Que si je décide occupe toi de ta princesse, même si tu es en France, tu dois envoyer l'argent pour ma princesse. Nadège, arrête de m'appeler. Parce que tu ne sais pas ce que je subis, étant là où je sors. <cours> Ma Batterie Nada, je arrête de m'appeler ma soeur. Tu sais, je tu sais, je t'ai appelé dans mes frères. Je vais un peu chuter. Je dis merci à mon petit frère Basap Man Basap. Esman, qui dimanche, il a, il a reçu les, nos amis, il vit aux États-Unis. C'est un petit frère, je l'appelle mon fils. Il me connaît depuis plus de 18 ans, 20 ans au Cameroun. Il a mis ma vu souffrir, il m'a épaulé. Kambasapman, les gens ont vu ce poste-là. Ils l'ont appelé. Moi, je ne l'avais pas encore dit que j'étais à l'hôpital. Dimanche, je vois comment il m'écrit inbox. Coco, j'ai reçu des choses ici. Appelle-moi immédiatement et dis-moi que ce n'est pas toi qui as fait ce poste. Quand j'ai vu, il a dit, ton petit, ton fils Raoul, c'est comme ça que j'ai lu le message. Je lui ai répondu, Raoul, s'il te plaît, tu as mon WhatsApp, appelle-moi. Même pas cinq minutes, il m'a appelé. J'étais sur le lit d'hôpital. Il a appelé, lui dit que Raoul, s'il te plaît, appelle-moi vidéo. Il a lancé la vidéo. Je ne savais même pas qui m'enregistrait. Je ne savais même pas qui me filmait. Je ne savais pas qui me filmait. Je lui ai dit, Raoul, tu me connais. Tu es mieux placé pour dire à certaines personnes qui suis-je. Raoul, je ne connais pas le message. Je ne connais pas le message. C'est là où Raoul même constate que moi, je suis à l'hôpital entre la vie et la mort. Il a même crié. Il m'a dit Mais Coco, tu ne peux pas être à l'hôpital, tu ne me dis pas. Je t'ai dit ceci. J'ai dit à Raoul que, Raoul, <coughs> quand tu es dans certaines situations, il y a les gens que tu oublies. Mais tu as bien fait de recevoir ce que tu as reçu, tu m'as appelé. Regarde comment ta mère est déjà devenue. J'ai dit à Raoul que. Je suis sûr que là où je te parle, là, je rends grâce à Dieu. Tu allais m'appeler et voir que le numéro ne passait plus. Personne n'allait t'expliquer. Mais je t'explique ici, Raoul, que je ne connais pas le but du... <laughs> Que je ne connais pas l'objet de la vidéo, de la publicité. Je ne suis pas auteur. <coughs> Raoul m'a dit, Coco, je te crois. Comme beaucoup de gens d'ailleurs qui m'ont, qui ont appris ça, ils m'ont appelé. Je ne peux pas le condamner parce qu'il a publié. Je suis contente parce qu'il a publié, il a fait la vidéo, il a fait un démenti. C'est depuis lors que j'ai commencé, les gens ont commencé à m'écrire, que je ne peux pas vous répondre d'ailleurs pour dire, pour demander pardon qui m'ont insulté qu'ils ont écouté une vidéo de quelqu'un et suivre un témoignage là-bas que je ne pouvais pas parler. J'ai beaucoup de gens qui m'ont ah, envoyé les excuses, qui ne sont même pas dans ma liste d'amis, qui m'écrivent et ça passe dans mes, mes spans. Mes frères et c'est tous ceux qui m'écrivent là, je ne peux pas vous répondre. Vous êtes tellement nombreux. Et je dis ici à tous ceux qui m'ont soutenu et tous ceux qui continuent à me soutenir, je vous dis merci. Ici, je vais m'adresser à quelqu'un qui depuis le Cameroun, je suis celui qui me suit en ce moment. Je ce qui me suit pour lui dire Mon père, mon père, tu me connais, tu me connais depuis 25 ans, tu sais que je ne peux pas le faire. Tu sais. De quoi je sais que je ne, je peux pas faire. Mais c'est pas le moment. C'est pas vraiment le moment. Parce que tous les huit jours que j'ai passé à l'hôpital, tu as été avec moi, matin, soir, tout ce que je prenais comme comprimé à l'hôpital, je t'ai filmé tout ça et t'envoyais que voilà ce qu'on me donne ici. Et je comprends ta réaction. Mais tu aurais pu faire m'appeler pour me demander. Voilà, euh, je sais que tu suivras cette vidéo. Et vous, tous autres, je vous demande pardon. Je serai à la fin de ma vidéo pour appeler et compris beaucoup pour tous les le personnel soignant dans le monde entier ceux là qui risquent même d'attraper ce virus comme <coughs> parce qu'ils sont là matin midi soir ils doivent être là dans les, tous les deux heures pour venir prendre ta température, pour venir prendre ta tension, pour venir voir si tu respires, pour venir voir si tu as pris tes médicaments. Je suis sûr que c'est le même combat que tous les, tous les personnels soignants du Cameroun, du monde entier, font. Prions Dieu beaucoup pour eux. Prions Dieu beaucoup pour que. Dieu est capable de tout. Il est capable d'envoyer de, l'air, l'air pur venu des cieux, pour que tout cet air que nous, nous respirons, qui nous fait contaminer ce virus, soit abanni au nom puissant de Jésus. Il est le Dieu des miracles. Je suis un miracle vivant de Dieu. Raison pour laquelle je viens ici rendre témoignage. Parce que, je vous jure, je ne sais pas si c'est pour mon cœur que Dieu me, me, me ramène à la vie. Euh, je ne sais pas si c'est pour mon cœur. Sinon, depuis le 8 un masque, ma que je souffre, je serai parti. Mais je, je suis resté. j'ai passé huit jours à l'hôpital. Je suis ici. Et on m'a déposé ici et On m'a dit je dois rester une semaine encore confinée. Comme ça, je ne peux plus être contagieuse. Et ni contaminé ni attrapé. Je suis dans cette maison. Toute seule. Sans voir même ma fille. Sans voir ma fille. Parce que je suis sûr que c'est grâce à elle que Dieu me ramène à la vie. Mes frères beaucoup de dizaines. restez chez vous oh. restez chez vous ne <coughs> se faire suivre ce quon vous dit oh. euh. Je, quand je tousse, on m'a remis ceci à l'hôpital. Quand on m'a déposé hier, quand je me mouche, je nettoie toujours. Ma soeur, je dis merci à vous tous qui avez eu confiance en moi, qui avez cru à moi, qui m'ont soutenu qui me soutient jusqu'à aujourd'hui. Nous avons un combat. Nous avons un combat. Ce que nous luttons au Cameroun, là que Paul a parti. Et ma copine Nadège. Copie, pardon, laisse-moi. Je vais couper le direct bientôt. Je n'ai même pas eu le temps de vous lire. Et je ne peux même pas vous lire. Parce que si je lis, je vais perdre la, la coupure de ce que j'ai envie de dire. Nadège, laisse-moi. Tu vas m'appeler plus tard. Je voulais dire à tous ces gens qui me suivent là, au peuple camerounais. Je voudrais dire au peuple camerounais, mes soeurs. S'il te plaît, euh, 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 Gaël, laisse-moi. Ne m'appelle plus, je vais déjà finir. Je vais déjà finir. Je voulais passer un message alors à mes frères. Pour vous dire que depuis deux ans, on s'insulte sur les réseaux sociaux. Bamille que contre Betty, contre Boulou, contre les autres. Mes frères, il est temps que ça s'arrête. Il est temps que ça s'arrête. Le Cameroun doit rester un et uni et indivisible. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Cultivant l'amour. Laissons la haine. Depuis, pour moi, je sais que ça fait deux ans que ça dure. Aujourd'hui, nous n'avons plus un ennemi qui est le, qui est la politique. Nous avons un ennemi qui est le coronavirus. S'il vous plaît, faites les vidéos pour sensibiliser les gens. Faites les vidéos pour, dire, pour supplier Dieu de nous protéger. Faites les vidéos parce que ce que vous voyez en Italie, les morts, mille morts par jour, c'est pas faux. Ce que vous voyez dans les journaux, c'est pas le mensonge. Vous ne croyez pas parce que ça ne vous est pas encore arrivé. Moi, je vous dis ici que depuis le 8 que j'ai été malade, je suis sûr et certain que si je n'avais pas pris tout ce que eux ont partagé sur Facebook, la Messenger, buvez la vera, buvez le citron, buvez l'eau chaude, buvez ceci. Si je n'avais pas fait ça avant le temps, jusqu'à ce que l'ambulance est venue me prendre ici, je vous jure devant Dieu. Peut-être que je serais déjà parti. Puis je serais déjà parti. Je n'allais plus être en train de vous parler. Dans tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux qu'on partage que buvez l'ail, écraser ça avec l'eau chaude, avec l'eau ginger, avec le citron, Chauffez et buvez. Mes frères et sœurs, faites ça. Ça va tuer le virus pour que ça ne s'aggrave pas. Parce que quand je suis arrivé à l'hôpital, la salle où j'étais, les, les gens, pour ne pas citer que les, la peau blanche, pardonnez-moi du terme. Tout ce qui était dans la salle avec moi était beaucoup touché. Ils étaient dans les appareils. Mais moi, je n'étais pas dans l'appareil. Et j'étais consciente. Mais je les regardais. Je tournais la tête. Je regarde là-bas, sur son, son pancard, son, son, pan son lit. Je disais, Seigneur, sauve celui-là. Dans mon cœur, je disais, Seigneur, sauve celui-là. Donc, je vous dis ici que si je n'avais pas pris peut-être les choses avant, peut-être je parti. Priez Dieu aussi. Je remercie ici. <coughs> Monsieur Christian Tchonet depuis le Canada, qui a passé le temps à prier ici jusqu'à l'hôpital quand j'étais, il m'envoyait les voix de prière là tous les matins. J'étais, j'ai dit aussi merci à un homme de Dieu là-bas au Cameroun.

Tu m'appelais sur, sur WhatsApp, même avant que je n'aille à l'hôpital. À minuit, tu me dis, mets-toi à genoux. Même si tu es dans ton lit, lève-toi, mets-toi à genoux, je vais prier. Je vous dis merci. Son Athénée Royale, je me mettais à genoux, tu priais pour moi. Mes soeurs et frères, mm. je vais vous laisser. Continuez à prier. Peut-être que je n'ai pas bien formulé, mais mes messages, mais c'est pour vous dire que je sors de loin. C'est pour vous dire que je sors de loin. Je sors de très loin. Dieu m'a restauré. Dieu m'a ramené à la vie pour servir d'exemple à vous, mes frères. Pour servir d'exemple à vous, les Camerounais. Ouais, petite, ça va? Hein? C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Bah, écoute, attends, 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 on va faire un truc, ok? Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je dis ici merci à mon petit frère Yves Martial Boisdet qui m'a soutenu. Qui m'a appelé. Je dis ici merci. Pas seulement au Tontine. Oh Sadina. Comment on s'insulte? Pas, pas seulement au Tontine. Oh, Sadina, que je dis merci. Je dis merci aussi aux, aux Tontina. Qui m'ont soutenu et qui continuent à me soutenir. Qui m'ont envoyé les messages. Depuis dimanche, je vous dis que je ne respire pas avec les messages. Je vous dis merci à vous tous pour votre courage et votre soutien. Je vous dis merci, mes soeurs. Priez pour moi. Et je vous dis, les Camerounais, faites les vidéos de sensibilisation. Ne envoyez plus les vidéos. Pour nous insulter. Parce que moi, ici encore, je promets à Dieu devant vous que je n'irai plus dans les vidéos où on fait la guerre. Où Tontina insulte euh, Sadina. Pour insulter quelqu'un. Même si quelqu'un m'a la vidéo là, si j'ai le temps, je, re je regarde. Mais je n'irai plus. Pour, pour Parce que quand tu n'as pas encore eu ce que j'ai eu, et ra, que Dieu te ramène à la vie, tu ne peux pas comprendre. Donc mes soeurs, Marie-Paul et tout le monde qui est en ligne, vous tous, vous les 1800 personnes qui étaient en ligne, je vous dis merci. Je vous dis de rester chez vous et de, de suivre les consignes. Hein? Laissons la haine. Je vous embrasse. Au revoir mes soeurs. Bonjour. Merci beaucoup. Merci.